être au Congo, personne n'a voulu être africain. S'il nous était donné d'opérer un choix, chacun aurait choisi ce qu'il y a de meilleur dans la vie, dans la vie, dans la vie. Dieu tout seul est capable de bien l'expliquer. Notre choix ne compte pas. De naître au Congo, personne n'a voulu être africain. S'il nous était donné d'opérer un choix, chacun aurait choisi ce qu'il y a de meilleur dans la vie, dans la vie, dans la vie. Dieu tout seul est capable de bien l'expliquer. Notre choix ne compte pas. Notre choix ne compte pas. Notre choix ne compte pas. Soigne ton identité, sois utile autour de toi, ne baisse pas les bras. Rien ne sert d'envier ce qui n'est pas à toi. Fais tes efforts et tu releveras tes défis. Notre choix est la bizarre. Cette terre, tu vis avec des Chinois. Sache-le, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Il est impossible de créer un univers peuplé des gens selon tes caprices. Il est utile de vivre dans la diversité. La différence apporte de l'évolution. Rien ni personne au monde n'a fait le choix de sa famille. Personne non plus n'a choisi sa race ni son sexe. Nous avons subi notre arrivée au monde. Nous voici vivants. Alors, apprenons à vivre tel que nous sommes, sans complexe. Seulement, nous pouvons améliorer notre condition de vie. Nous sommes différents les uns des autres et pourtant nous sommes condamnés à vivre ensemble dans ce monde.